Bonjour et bienvenue, encore un peu plus de War Tales. Donc on m'a demandé si je pouvais faire une nouvelle partie en fait en extrême, donc la nouvelle difficulté qui vient de sortir il n'y a pas très très longtemps encore. C'est vrai que j'ai changé ma partie principale en fait en extrême, et j'ai dû en fait apprendre à jouer avec et tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses en fait qui changent. Et beaucoup de gens m'ont dit pourquoi pas essayer de genre une nouvelle partie directement en extrême. Donc c'est ce qu'on va faire, donc j'espère que peut-être que ça aidera aussi pas mal de gens. Donc on est reparti. Donc ce qu'on va prendre, donc moi je vais reprendre ce que j'aime bien. Donc c'est alors épice guerrier archer rôdeur, je crois que c'était ça que j'avais pris. Déserteur fuyant les abus d'un capitaine, je crois que c'est ça. J'aime bien en fait sa composition. Le fait d'avoir un guerrier, en fait, c'est vachement bien parce qu'après, ça nous permet de bouger plus facilement sur le terrain. Donc, on va prendre ça. On va dire que. Qu'un expérience au combat, ça peut être utile, mais honnêtement, personnellement, moi, je pense pas que ce soit très, très intéressant. Dégâts critiques augmentés de 10%. Je pense que c'est le meilleur. Ça a toujours été le meilleur, je pense. Donc, dégâts critiques augmentés de 10%. Et après, donc, les inconvénients. Alors, les inconvénients, honnêtement, celui-là est le mieux. Genre, transport de chaque compagnon réduit de 1. C'est parce que ça, c'est inutile. Et puis plus tard, je crois qu'on peut l'enlever. Non, ça, c'est la troupe, on peut pas l'enlever. Mais ça, c'est ça, aucun problème, en fait, sur la troupe. Après, on a quoi? On a critique réduit, ça, il faut pas quitter plus vite que ça. Donc, vous prenez ça, honnêtement, vous êtes tranquille. Alors, on va prendre exploration zonée. En gros, l'exploration zonée, ça va être plus difficile au début. Et après, si vous farmez un peu, vous allez passer un meilleur moment. J'aime pas vraiment en fait adaptatif parce que ça s'adapte en fait à votre niveau et à votre nombre de personnages dans l'équipe. Donc du coup, en gros, tout va être tout le temps une sorte de challenge. C'est un peu ça le problème et j'aime vraiment pas du tout l'adaptatif. Moi, j'aime bien genre lutter un peu au début. Après, une fois que j'ai une bonne équipe et tout ça, ça va aller, ça va être plus simple, on va dire. Et quand je reviens dans des zones genre de niveau 1 et tout ça, je vais pouvoir en fait rouler un peu sur les gens. Et si vraiment je veux aller taper des gros trucs, je vais dans les dernières zones où elles sont niveau de 14, je crois, 14 ou 15. Donc voilà, ça c'est un peu le truc que je préfère. Donc zoné, je vais faire une démonstration en zoné. Parce que j'aime pas trop adaptative. On va mettre extrême. Et bien sûr Iron Man. On va commencer à Tiltren. Non, je crois qu'on peut. On a quoi? Tiltren, Arthès et Vertruse. On va commencer à Tiltren parce que c'est plus ou moins le plus simple. Le déroulement de l'histoire, c'est un peu plus simple. Donc on va faire ça. Nom de la sauvegarde. Extrémis. C'est pas mal comme ça. Je sais pas pourquoi. On va appeler ça comme ça. Extrémis. Sans accent, sans rien. Donc ça va être nos gens. Donc on va les. Attendez, d'abord on va faire ça vite. On va faire ça vite. Hein. On est là pour. Alors très, on veut. Alors toi, on veut. Alors les statistiques de 5%, c'est pas énorme. À chaque fois, c'est genre si vous êtes niveau 12, je crois que vous gagnez plus 9. Vous gagnez même pas 10 de stats. Donc c'est pas énormissime. Critique augmentée parce que toi t'es un méchant assassin. Après, est-ce qu'on peut rajouter encore un truc? À la limite, on peut faire full même si c'est pas vraiment le meilleur. Maintenant il faut un négatif. Donc négatif, honnêtement, vous prenez le tir au flanc, et le tir au flanc plus tard vous pourrez l'enlever. Enfin techniquement vous pourrez enlever tout plus tard si vous avez des meilleurs amis et tout ça avec les nouvelles mises à jour qui sont sorties. Donc on va prendre transport pour l'habilité. Ouais, t'as qu'à prendre ça, ouais, c'est bien. Ok, parfait. C'est bon, ça a sauvegardé. Yes, c'est bon. Alors ça va être notre tank principal. Donc on va prendre la provocation. Donc notre tank. Honnêtement, on n'est jamais mauvais de prendre critique sur tout le monde, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire après? C'est constitution. Constitution et force, pour avoir plus de force, mais j'aime bien le critique en fait. Costaud, et après on va mettre tir au flanc aussi. On va mettre tir au flanc partout en fait, honnêtement, c'est vraiment pas un problème. Alors elle, ça va être notre buffer. Donc on va te mettre premier soin.
On va te mettre aussi sanguinaire, on va te mettre mouvement. Et on va te mettre tir au flanc, parfait. L'archer. Ah, l'archer, on va viser, c'est pas vraiment intéressant au début. On va le mettre premier soin. Sanguinaire, bien sûr. Et après, c'est vrai qu'il n'y a, a pas trop de choses en fait, très très intéressant. Donc on va prendre agile. Et on va mettre tir au flanc aussi. Parfait, ça va être notre nos gens transport. On va lui mettre laborieux et on va lui mettre on peut lui mettre costaud aussi. Et, mouvement réduit parce que lui de toute façon il va pas, le poney il va pas combattre, donc on lui met mouvement réduit. C'est parti. Donc ça va être notre équipe test. Notre équipe test. On va voir un peu comment ça se on se débrouille avec l'extrême. Trop, c'est trop. Après avoir subi les abus de cet infect capitaine, vos compagnons peuvent enfin goûter à la liberté bien méritée. Alors, c'est notre équipe. Donc maintenant on a ça, c'est nouveau. Donc on a, ok, ça marche, ça marche. Tout le monde est assis au camp, c'est bon, c'est parfait. Nickel. On peut leur mettre des boulots directement. Attendez, on peut leur mettre des boulots. On a que bricoleur. On va leur mettre tous bricoleurs, du coup ça fait déjà du critique en plus, donc plus 2, c'est toujours ça de prix. On n'a pas beaucoup d'argent, on est recherché par la garde. On va récupérer ça. Nickel. Oh mon dieu, comment c'est lent au début, c'est abusé. Comment c'est lent le déplacement quand on n'est pas buffé, on n'est pas augmenté, rien du tout, c'est énorme. Alors le combat. Alors, qui c'est qui va jouer en premier? C'est toi, ça marche. Ok, cool. Alors, on va prendre d'abord... toi. Ok, très bien. Voilà, t'es engagé, nickel. Alors... joli. Voilà. Hein. Maintenant, on va aller tanker l'autre. Alors, lui, il va faire un peu plus mal avec sa dague à la con. J'aurais bien voulu le tuer, mais c'est pas grave. Ok, parfait. Ouais, voilà. Lui, il va faire un peu plus mal. Non, faut voir si on peut te tuer. Non, on va... ok. Très bien. Ça va, y a pas de problème. Ok, parfait. Ah, ils font mal, hein, parce qu'on n'a pas de bonnes armures, rien. Ok, parfait. On va tout réparer. Ok, très très, très bien. Voilà, on va regarder ce qu'on a. On a eu 7 dagues, on va voir si elle est bien ou pas. On va mettre d'abord le tank. Enfin non, d'abord le guerrier, après tank. Après rôdeur, très bien. Alors... dégâts à cible, lui applique poison. Nickel. On a une écurie juste là. Donc ouais, parce qu'il y a pas mal de gens qui trouvent le jeu difficile et tout ça. Il y en a qui le trouvent très facile. C'est très compliqué de trouver un juste milieu hein, dans ce jeu. On pourrait voler des choses. Alors on va parler aux gens vite fait. Alors lui c'est pour les poneys. Ok, donc lui, si on achète un poney, je crois que les poneys ils sont chers quand même, non? Poney, c'est. 180, ouais, ça sera pas pour maintenant. Ok, là on a des choses. Faudrait qu'on arrive à Tiltren, à Stormcap, avant de devoir nous reposer. Comme ça on peut prendre des missions et tout ça.
progression découverte, très bien. Donc on va regarder ce qu'on va prendre. Alors moi je conseille dès le début de prendre... Alors ça a changé un peu, hein, ça a changé un peu. Donc bonus, vous pouvez dépenser l'influence et ajouter un supplémentaire à un attribut lorsque vous passez à un niveau supérieur. Ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important, il faut le débloquer le plus rapidement possible parce qu'en fait vous allez perdre des statistiques du coup. Ça permet en fait de monter de 2 les stats, de 2 les stats à chaque fois, genre dex plus 2 au lieu de 1. Et sans ça, vous pouvez pas. Ça, c'est aléatoire en fait, donc c'est vraiment la galère. Donc je conseille vraiment de faire ça dès le début. Parce qu'après, vous pouvez pas revenir en arrière en fait. Qu'est-ce qu'on est lent, c'est ouf. Alors, on va faire quelques missions, on va lui parler à lui. Of course. You'll then have to meet the client. Ça c'est un peu trop cher, on a que 28. Alors, ça, choc des cultures, ça aussi c'est cher. On pourrait... Je sais plus si on peut avoir le vol maintenant. Il va falloir peut-être attendre. Je sais pas exactement comment maintenant les nouvelles... depuis les changements, comment ça fonctionne, mais on verra. Alors... aide demandée, Soulard, un groupe d'ivrognes s'est mis en tête de découdre avec les réfugiés, il faut arrêter avant que cela ne dégénère, ça peut être pas mal ça. Des rumeurs évoquent les tombeaux des anciens, ça on le prendra plus tard pour le tombeau des anciens, et ça c'est le boss à faire, ok ça marche. On va prendre ça aussi, voir un peu ce que ça nous donnera, voir un peu si c'est difficile ou pas. Alors, recruter c'est 60 et 30, ça marche. Ok, très bien. Là, on a donc on a le forgeron, très bien. Maintenant, on va prendre ça. Toi, tu peux être forgeron. Ok, très bien. You can use my anvil. I can also repair your armor. Oh, and I'm looking to hire a skill. 124. Ouais, il recherche quelqu'un, on le sait. On va un peu vite, hein, on prend les trucs, bien sûr. C'est juste pour montrer comment bien... On va dire bien commencer le jeu, je sais pas trop comment... je vais faire ça, mais... Alors, lui, on peut faire ça. Donc, il nous a volé l'argent, il nous a volé 20. On va aller le défoncer. Il est là, il est juste là, il est pas loin. On peut aller pêcher, je pense qu'on peut pêcher dès le début. Menacer. Et on va l'attaquer. Donc on a récupéré 20 au lieu de 10, c'est bien. Ça va, tu joueras en dernier, c'est très bien. On va se mettre derrière pour augmenter les chances de critique. Voilà, encerclé, très bien. Voilà, glorieux, très bien. Il y en a un qui a pris un niveau. Je voudrais bien augmenter ma connaissance en fait. Alors, est-ce qu'on a débloqué... Yes, pêcheur. Alors, pêcheur, j'aime bien le mettre à l'archer. Je l'ai pas mis. Ok, très bien. On n'a pas d'hameçon. Est-ce qu'on peut les crafter? Je crois qu'on a un peu de métal. On peut faire les hameçons. Alors, qui est... Johan, top. On va se mettre là. On se mettra à côté de nos potes. Voilà, très bien. Toi. Est-ce qu'on peut faire des hameçons simples? Crochet, hameçon de pêche. Voilà, très bien. Connaissance, yes, parfait, connaissance. Donc on va apprendre ça. Nickel. Voilà.
Ça nous permettra de manger. Ok, pas très compliqué pour le moment, ça se passe bien. Alors, on va... On est 44, fais voir. Donc voilà, maintenant on peut choisir en fait si on veut mettre des points autre part grâce à grâce au plan de carrière en fait. Genre là par exemple si je veux mettre deux points là au lieu de d'autre part, on peut le faire maintenant. Donc ça c'est bien, ça c'est ce qui est intéressant. Donc ça c'est un archer. Bon, pour le moment dextérité c'est pas mal. Faudrait augmenter la volonté en fait le plus rapidement possible. Faudra avoir 15 pour être sûr, mais c'est pas mal. Pour le moment on va rester avec Dex. Et on va prendre... chaque fois que cette unité tue un ennemi, on va prendre ça pour le moment. Ok, parfait. Donc voilà, là on est bien. On va aller... Donc ça c'est facile. Donc on va aller faire ça. Alors on pourrait attaquer des marchands et tout, mais je crois pas qu'on soit encore assez haut niveau pour faire ça. On est un peu lent, on n'a pas de sprint, on n'a rien, ça c'est les méchants. On va peut-être dormir juste avant de les rencontrer. Je pense qu'on n'arrivera pas à les rencontrer avant. Ouais, on va dormir maintenant. Alors normalement, moyen, ça devrait aller. Alors, on peut faire ça, ça, très bien, reposer. Ok, parfait. Bravoure augmentée. Le bonheur augmenté. C'est bien. Il faut essayer d'avoir 15, bien sûr, hein, pour avoir le bonus d'expérience. Ok, on aura une mine aussi. On pourra aller faire la mine. Alors. Leave us be. We've got... Ils sont 3, ça devrait aller. Il nous faudrait des meilleures armures, parce que là on n'a pas techniquement des armures, on a juste du tissu quoi. Donc ça serait bien de pouvoir récupérer des armures 2 en fait. Alors, là on a des... Alors, faut regarder un peu leur mouvement. Ok, leur mouvement est assez loin. Ok. Ok. Alors, ce qu'on pourrait faire, ce serait se mettre ici. Ok. Ok, pas mal. On le laisse venir. Ok, très bien. Les lanciers, de toute façon, ils peuvent pas nous atteindre pour le moment. Il n'y a que lui qui peut nous atteindre. Donc, il va falloir s'en occuper. Si on s'avance là, les lanciers vont pouvoir nous taper. Donc, faut faire attention à ça. Ouais, on va y aller. On va essayer de pas trop se mettre proche des lanciers, en fait. Lui, il va sûrement nous taper. Alors. On n'est pas derrière, mais c'est pas grave. Il va peut-être se faire taper par le lancier. Mais au moins, il va pas se faire engager, donc ça, c'est bien. Ok. Donc ça, c'est celui-là qui est engagé, celui-là qui est engagé. Ok, donc on peut résister, ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Ah, je peux pas passer derrière. Ah, je peux pas passer derrière, c'est embêtant. Ok. Là, je peux pas l'utiliser parce que sinon je vais toucher... Ouais, j'ai trop de chance de toucher mes amis.
Joli. Ok, maintenant ça va être les lanciers. On va faire ça pour l'affaiblir, comme ça il fera moins de dégâts. Ok, maintenant faut faire attention, on va essayer de faire des morts. Ok, toi tu devrais mourir par le saignement et tout ça, ça va. Ok, ça fait 1. Alors on va faire ça. C'est compliqué, hein, mais on va se débrouiller. Alors, ça. Pas mal. Maintenant, on va le finir. Parfait. On a gagné galvanisation, c'est très bien. De se faire lui. Joli. Faire attention parce que lui il peut faire mal quand même. Ouf. Ah, on joue sur la ligne, hein, sur la brèche, attention. Hein. Ah, c'est de l'extrême. Hein. Alors là, ils veulent fuir. Vous laissez partir et remporter l'affrontement. Non. Là, on va les tuer. Voilà. Ce serait bien qu'ils me donnent leurs armures, honnêtement. On récupère quelques trucs. Alors, on n'a rien récupéré d'intéressant. On va réparer et on va soigner. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. On a récupéré ça, on peut pas l'utiliser, on n'a pas de classe pour ça. C'est pas grave, c'est pas grave, pas grave. Alors, elle, on va en faire une sentinelle. On va en faire une sentinelle qui va nous permettre de faire ovation, qui va vraiment nous aider du début jusqu'à la fin du jeu. Tout le temps, en fait, tout le temps. Ovation, c'est vraiment le truc qu'il faut faire, en fait, quasiment tout le temps au début de combat. Ça vous permet de vous déplacer vraiment facilement et tout ça. Donc on va directement la mettre en sentinelle. Et on va lui mettre... J'aime pas trop parce qu'elle a déjà de la constitution grâce à ça. Donc je pense qu'on va... Plus de crit, plus de mouvement. On va faire plus de crit, je pense. Pour le moment. Voilà, très bien. Ok, nickel. On va aller voir un peu ce qui se passe à la mine. Et après, on va peut-être revenir à Stromcap, en fait. Pour bah, rentrer. On va peut-être revenir à Stromcap. Stop right there. This salt mine belongs to her ladyship Gontrond. I can't just let you walk in. Alors, convaincre. Alors, là, on a 29. On va passer au-dessus du 1. Mais de pas beaucoup, on peut peut-être menacer. On peut peut-être menacer. As you wish. We can't mine the salt because of these two iron veins anyway. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut... Ah voilà, voleur. Très bien. On va prendre... Alors toi on t'a mis bricoleur. Ah va-t'en toi. On t'a mis bricoleur, on t'a mis des...
Ouais, on t'a mis déjà bricoleur, ok, ça marche. On peut pas avoir un voleur pour le moment. Il y a elle, on peut mettre voleur, mais ça va pas vraiment l'aider. À la limite, lui, on va le changer en voleur. On va perdre l'expérience qu'on a fait, mais bon, c'est pas grave. Donc on peut voler maintenant. On peut voler, ouais. On va pas le faire, hein, mais on peut voler. As you wish. Alors... mineur, très bien. Donc on va prendre... on commence un peu à être... ça va être... c'est léger, hein. On a besoin de plus de monde. Mineur, on va prendre notre épéiste. Voilà, c'est parti. On va essayer de pas se louper. Parce que maintenant, si vous loupez, en fait, en extrême, vous êtes blessé et vous récupérez strictement rien. Alors après, il y a des petites choses que vous pouvez savoir, c'est que c'est quand le jeu sauvegarde, en fait. Quand vous rentrez dans les zones et tout ça, quand vous commencez les combats et tout ça, il sauvegarde. Si jamais vous loupez, je sais pas, votre minage, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est recharger la partie, même en Iron Man, en fait. Ça sauvegarde pas automatiquement. Ça sauvegarde pas, genre, à chaque fois que vous prenez un coup, par exemple. Donc vous pouvez faire ça, à la limite. J'avoue que le fait de que vous soyez blessé et que vous récupériez strictement rien en fait en extrême, c'est un peu bête. Je j'aime pas trop leur système d'extrême. Ah, très bien. On a gagné de l'influence. Parfait. Alors faut faire gaffe parce que là on est activement recherché par contre. Vous voyez. Donc ils vont nous faire payer. J'ai pas trop envie de payer moi. Mais normalement, si on descend en dessous des 100, ça devrait aller. Alors là, on a des réfugiés. On peut les attaquer sans répercussion. Donc ça peut faire de l'expérience gratuite, en fait. On est recherché. C'est combien? C'est 100. Oh la vache. Ah, ça fait cher quand même. Ah, on va peut-être se faire attraper. On va devoir payer, je pense. On va peut-être devoir payer. Je pensais qu'on allait... réduire plus facilement la vitesse de la recherche, mais bon. Je crois qu'il faut peut-être descendre à 50, alors. C'est pas 100, c'est 50. Alors, très bien. On va aller à la taverne. Nickel. Nickel, nickel. On a... 200... Alors, fais voir. On pourrait prendre... alors, moi, je conseillerais de prendre quelqu'un d'autre. Déjà. Coopératif, tir au flanc. C'est pas vraiment intéressant. Malin et coopératif. Un épéiste. Un deuxième épéiste. Ça peut être pas mal. Ça peut être un deuxième tank. Peau dure et confiant. Peau dure, c'est... confiance c'est bien, peau dure c'est pas vraiment très très intéressant, je vais être honnête. On est à combien de soldes? Solde c'est 154, ah ça fait cher. Ça va faire 38 après, en plus. Ouais, en extrême ça va être un peu compliqué, tout ce qui est argent et tout ça. Donc ouais, on va peut-être pas pouvoir... avoir quelqu'un d'autre en plus, pour le moment. Alors, je voudrais... on va faire toi. On va voir un peu. Est-ce qu'on peut faire des armures plus intéressantes? On peut faire ça. C'est armure 10. Là, on a combien? Là, on a armure 8. On peut faire armure 10. Ça peut... déjà, ça peut nous donner un truc. Alors, c'est parti. Très bien. Il nous faudrait un tissu et un cuir. Je pense pas que lui il en vende. Par contre, ce qu'on peut lui vendre, c'est ça. Ça. On a eu un point. Alors, rationnement, compagnie devient plus raisonnable, troupe mange 3 de moins. On mange combien? On mange 18. Ça va, on a 2 jours encore. C'est pas...
Je pense qu'on va prendre la course. Solde versé et compagnons réduit de 10%. Honnêtement, je dirais même qu'on pourrait prendre frugalité, peut-être. Parce que moins 10%, ça va quand même vraiment nous aider. Parce que 150 de solde, c'est quand même très cher. Hein. En extrême, c'est quand même vraiment très cher. Donc, je dirais pas non. Orientation, non, c'est pas intéressant. Maximum de bravoure, c'est pas vraiment intéressant pour le moment. Cannibalisme, c'est bien si vous avez une grande capacité. Vous pouvez prendre des cadavres sur vous. Ou alors, si vous venez juste de tuer des gens, vous récupérez les cadavres et vous mangez sur place. Je dirais que... C'est quand qu'on paye? Dans deux repos. On va devoir se reposer une fois ici. Ah, on peut peut-être suffire. Ouais, on va prendre la course pour le moment. Allez. On va prendre la course. Ça, c'est la course améliorée. Ok. On va devoir se reposer. Donc, toi, t'as pris des niveaux. C'est bien. Je crois qu'on n'a plus personne qu'on peut utiliser pour le bricoleur. Enfin, toi, si. Techniquement, on peut. J'aurais pas dû le changer, en fait, pour voleur. C'est pas grave. Alors, bricoleur. Très bien, et on va le mettre, toi, on va te mettre ça, voilà, 12 d'armure, c'est déjà beaucoup mieux. Toi, tu as quoi? 5, 5, 8, là aussi c'est 8, donc on peut te mettre 8 à toi, parce que toi tu vas un peu tanker, voilà. Alors, hop, hop, très bien. Voilà, ça se passe bien. On a récupéré, on a crafté ça. On pourrait aussi mettre quelqu'un ici. C'est vrai que génère 1 de repos et consommation de nourriture quotidienne, moins 1. C'est vrai qu'il y a ça aussi maintenant qui est sorti. J'avoue que techniquement, oui, j'aurais pu mettre quelqu'un là, c'est nettement mieux. nettement mieux. C'est pas grave. Quand vous avez joué à la bêta du jeu, honnêtement, avant la 1.0... honnêtement, vous trouvez le jeu. Ça m'intéresse de le prendre, de l'acheter. Est-ce qu'on a des combats faciles? 9h, ok. On va aller ailleurs. La carte. Là, c'est une affaire de fer. Marteau libre. On peut aller se balader. On va voir si eux, ils ont pas quelque chose. Après, on a quoi? On a que 150. Non, ils ont rien d'intéressant. On peut leur vendre ça, par contre. Alors, la série de Tiltren est intéressante. Alors, il faut être ami avec elle. On peut faire ça. On a le bûcheron aussi maintenant. Alors, qui pourrait être bûcheron? Ah, du coup, on va devoir attendre parce qu'on peut pas vraiment tout faire. On est trop peu, en fait. Là, on a une clé. On est vraiment trop peu, en fait. Ça marche. Donc, elle essaye de nous faire partir. Mais avec la clé, on peut aller voir ça. This woman, the guard turned. Don't hurt me. Voilà. On peut prendre ça aussi. Connaissance, cool. Parfait. Nickel. Nickel, nickel. Et là, on va prendre. Du coup, je disais que on va peut-être réduire, c'est mieux. Donc 154, on passe à. Donc solde versé aux compagnons réduit de 10%. On passe à 142. Voilà, je sais que c'est que 10, mais honnêtement, ça va faire une différence, petit à petit. Puis surtout au début, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et maintenant, elle va nous attaquer, mais on va pas les tuer. Alors, si vous la combattez, vous les tuez, puis basta. Mais si vous négociez avec elle, elle va être sympathique et elle va nous demander si on peut même pas récupérer de genre des réfugiés et lui amener à elle. Et c'est un apport d'argent et de renommée aussi, je crois, d'influence assez simple. If you want to talk, you will have to prove your good faith. You did poke around my place after all. Donc elle paye.
How kind of you. You wish very well. Let me be clear. I have a heart and Tiltron. You have 2 days. Oh, and don't eat. On a 2 jours. On a 48 heures pour lui ramener les gens qu'elle veut. Ah, aussi un truc qu'on peut faire. Attendez. Est-ce que je peux. Bon, bah, attaquez-moi du coup. Je voulais les faire une embuscade, mais en fait, quand on est bas niveau et tout ça, ils nous voient de super loin et tout. C'est pas grave. Alors... Toi, tu vas pas aller très loin. Toi, tu peux aller là. On peut attaquer lui directement. C'est comme ça. Alors, attaquer les animaux, c'est un bon apport de nourriture, honnêtement. C'est un très bon apport de nourriture. Alors, on va essayer de faire comme ça. Alors, on peut faire ovation. Ça nous permettra de bouger. Ou alors on le garde pour le moment. On va le garder. Très bien. Alors moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir un sanglier avec vous. Enfin, peut-être pas au début, parce que le début en extrême, c'est chaud. Donc, peut-être pas. Lui, je sais pas où il va aller. Il va peut-être aller sur... où notre... il risque d'aller sur le voleur aussi, c'est pas grave. Moi, j'aimais bien garder en fait un sanglier avec vous. Pourquoi ? Parce que ça vous permet en fait de... Comment dire ? Après, il devient gras en fait. Et vous pouvez le manger. Et ça donne énormément de... Ça donne énormément de viande, en fait, de faire ça. Donc c'est une bonne chose à faire. Mais ça mange 3 ou 4, je crois. Attendez, on peut voir. Ça mange 4 en consommation. Donc peut-être pas, en extrême, ne peut-être pas le faire au début, quoi. Sinon, ça va mal se passer. Alors, on peut... On peut aller mettre du poison sur lui. Ah, très bien. Ah, ils ont fureur maintenant, c'est vrai que j'avais oublié un peu ça. Ok. Très bien, ça. Pouvoir en tuer 2 rapidement. Ah, tu vas mourir du poison du coup. C'est pas grave. Ok, ça va. Ok. Fait un peu mal avec Fureur, mais c'est pas très grave. Alors, pour éviter de prendre plus de coups, on peut d'abord tuer lui. Non. Et on se fatigue, plus le temps passe, plus on se fatigue, donc ça c'est un peu dangereux. Voilà, ça c'est bien, c'est 4. Donc ça c'est cool, on va tout réparer, on arrive à... Très bien. Et on va se reposer. Alors toi, tu viens de monter de niveau, très bien. Donc lui, on va en faire un combattant. C'est, honnêtement, c'est une des meilleures classes du jeu. Donc on va en faire un combattant, très bien. Donc il prend des stats en plus. Et on va te mettre...
Je vais voir un peu les stats que t'as. 30. Un peu plus de force pour qu'il fasse un peu plus de dégâts. Ah, je vais augmenter la volonté. Quoique, ah, ça fait 10. C'est vrai qu'au début, c'est un peu chiant. Alors, on va garder force. Allez, on va garder force. Voilà, nickel. Ça, il faut des érudits. Est-ce qu'on peut apprendre érudits de là? Je pense pas. Non. On peut pas. Le truc qu'on peut faire, c'est... Voilà. Voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 40 minutes? Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je voulais pas faire un épisode trop long, honnêtement. Mais je pense que là, vous avez un début solide, en fait. L'extrême est pas extrêmement dur. Si vous connaissez pas mal le jeu, honnêtement, ça se passe vachement bien. Genre là, par exemple, on a donc les esclavagistes profiteurs. Donc ça, on va pouvoir... Donc elle nous a donné des chaînes. Donc on va pouvoir, en fait, kidnapper les réfugiés. Donc il faut en récupérer un. Les réfugiés peuvent être dangereux. Pourquoi? Parce que les réfugiés, en fait, ils ont des torches. Et les torches, ça fait du feu et ça fait du coup des dégâts à la vie directement. Mais nous, on a deux gros tanks. Déjà, on a le combattant et la sentinelle qui ont dans quasiment 30 HP chacun. Lui, il a 30. C'est surtout eux qui peuvent prendre très cher, en fait, s'ils prennent des dégâts à la vie. Donc, il faut faire attention à ça. Mais après, nous, on a ces deux-là qui vont plus ou moins tanker, en fait, tout le long, pour le moment. Donc voilà, ça va bien se passer. Pour la nourriture, c'est bien parce qu'on a récupéré donc un peu de porc. On peut même utiliser la carcasse aussi. On a récupéré un peu de porc, on va pouvoir le faire cuire. Il faudrait du sel, il faudrait une marmite et tout ça. Ça, on va le débloquer après. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre après, par la suite? Je conseillerais d'essayer de faire des nouveaux boucliers. Parce que ça donne de la garde. Cela, c'est quoi? C'est 11 de garde et 5 d'armure. C'est pas mal. C'est pas mal. Déviation, honnêtement, on va pas vraiment les utiliser. Tout ce qui est habilité, on va pas trop les utiliser pour le moment. Parce que ça coûte extrêmement cher. On les utilise si vraiment, vraiment, on a un combat, en fait, qui est difficile. Et on a besoin, genre, de se soigner et tout ça. Parce que encore une fois, en extrême, ça coûte à chaque fois plus ou moins... Quasi, genre 90% des habilités que vous avez dans le jeu, maintenant, coûtent 1 de bravoure en plus. Donc ça, c'est le problème. Donc là, on n'a que 4, par exemple. Donc, faut faire attention. S'il n'y avait pas cette technique, en fait, honnêtement, le jeu resterait encore très simple, même en extrême. C'est ça, la difficulté. C'est le fait que beaucoup d'habilités, maintenant, coûtent 1. Genre, ça coûtait 1, ça coûtait 1, ça coûtait 2 et 1. Ça coûtait 1. Donc, voilà. C'était très simple, en fait, de récupérer la bravoure. Genre, par exemple, là, je tue quelqu'un, je récupère de la bravoure, tout simplement. Maintenant, c'est la difficulté, c'est ça. Donc, il faut jouer... Il faut essayer d'avoir une équipe qui fonctionne sans avoir à utiliser d'habilité. Ah, donc c'est ça la difficulté de l'extrême, je trouve. Mais ouais. Mais en tout cas, ouais, pour le moment, on a un très bon début. Donc si vous faites exactement ce que j'ai fait avec les mêmes classes et tout ça, ça se passe. Et on a, comme j'ai dit, on a deux tanks HP plutôt, parce que pour l'instant, l'armure, c'est pas vraiment ça. On a deux tanks HP, c'est pas mal. Et après, si vous trouvez donc du tissu, c'est quoi? C'est du tissu et du métal. C'est pas dur à trouver. Mais essayez que tout le monde ait ça, en fait, dès le début, déjà. Ça va vraiment vous aider. Surtout si vous les faites en 2 étoiles, 3 étoiles. Donc vous avez pas mal d'armure en plus. Donc ouais, on va s'arrêter là. Je sais pas si je vais peut-être faire une toute petite série par rapport à ça. Dites-moi si vous voulez faire ça. Peut-être que j'augmente un peu, enfin je continue un peu l'aventure. Mais bon, j'ai déjà mis énormément d'heures dans ma... dans ma sauvegarde principale. Mais voilà, c'était pour vous montrer que c'est pas extrêmement dur. Maintenant, surtout de nos jours, avec toutes les mises à jour qu'il y a pour améliorer les choses, en fait, dans le jeu, pour rendre les choses beaucoup plus simples d'accès et tout ça. Mais ouais, pour la suite, je vous conseille... Il y a la restauration qui est pas mal pour diminuer le coût des matériaux bruts, ça peut être pas mal. À faire. Le rationnement, je pense que le rationnement va être très intéressant, donc ça serait le prochain point qu'on va prendre, le rationnement. Le transport augmenté, on n'a pas besoin pour le moment. Le recrutement, peut-être le recrutement, oui. Peut-être qu'on va besoin avoir du recrutement, parce que comme j'ai dit, 4 personnes au début, ça va être un peu short, surtout qu'on a quand même plein de métiers, en fait, à chaque fois.
Donc ça va être un peu compliqué de faire les métiers, surtout au début. Mais c'est pas grave. C'est honnêtement, ça prendra du temps, mais c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo en extrême. Et voilà, bonne chance à vous et à la prochaine. Ciao, ciao.